Bon, ok, tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Otaru, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Conan Exil. Et aujourd'hui on est dans le nord, donc on va commencer à aller vers là. Donc là on a déjà des chiens, enfin des loups. Donc le nord c'est assez dangereux, mais ça va. C'est juste que là je suis au début, j'ai encore l'épée toute pourrie. Mais prochainement ce qu'on va faire c'est que je vais essayer déjà d'avoir des esclaves. Tac. Et je vais continuer à farm ma maison. Et je vais finir ma maison. Et puis après, hop. Voilà. Et puis après, on sera bon. Et on va pouvoir visiter un peu tout. Donc ça c'est la nouvelle Azagard, donc on ira sûrement une prochaine fois, mais pas tout de suite parce que c'est assez dangereux. Et en fait ce qu'on va faire d'abord c'est que on va vraiment bien se stuffer, on va dire. On va essayer d'avoir de très bons guerriers, des niveaux 4. Et puis après ce sera nickel. Donc je pense que je vais me créer une waystone. Donc en gros c'est une pierre de téléportation pour la mettre ici. Et ensuite du coup je vais pouvoir me téléporter assez rapidement. Je vais pas en mettre beaucoup, mais vu que je suis en solo et tout ça, je veux pas. Voilà, au moins ça sera un gain de temps efficace et pas négligeable. Et ouais, là on a du monde. Donc je vais vous montrer un peu le nord. Donc je connais très bien le nord. Je connais un peu toute la map très bien. Donc vu que j'ai plus de 1000 heures de jeu. Donc voilà. J'ai un peu de connaissances. Pas sur tout, mais par exemple ici, je sais que. Bon, ça fait quand même quelques mois que j'ai pas joué. Mais ici il y a Liane ou un truc comme ça. Juste là. C'est qui? C'est Liane, c'est ça. Liane, le canonnier. Juste en bas, on va aller voir. On a deux archères nommées qu'on tame assez rapidement et assez facilement. Donc c'est pour ça va être super cool. Avec les waystones, du coup, je vais pouvoir les farm et en avoir quelques-unes. Et pouvoir protéger ma base, tout simplement. Donc là, hop. Et voilà. Alors je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais on va pouvoir se. C'est pas. Non, c'est pas Dalincia, non, c'est Dina. Okay. Dina, on en a une autre un peu plus vers là-bas. Et juste ici, il y a un méchant Rochegroin, un Groot si vous voulez. Et là, vous avez des chevaux, mais bon. Enfin, des poulains, des poulains. Tac. Capturer. Plus rapide en plus. Ok. Donc nous on va déjà s'arrêter là. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, c'était Otaru. N'oubliez pas que vous kiffez. Allez, ciao!